communiqué de la FIDOP relatif à la gestion de la crise sanitaire de la COVID-19 par l'État des Côtes d'Ivoire. La Fondation ivoirienne pour l'observation et la surveillance des droits de l'homme et de la vie politique, en abrégé FIDOP, tient à féliciter le gouvernement pour les nombreux efforts consentis depuis le déclenchement de la pandémie de la COVID-19 en Côte d'Ivoire le 11 mars 2020, date à laquelle le premier cas a été découvert sur le territoire. De nombreuses mesures ont été prises par l'État des Côtes d'Ivoire, notamment 1. la sensibilisation sur les mesures barrières, le lavage systématique des mains, le port du masque, la distanciation sociale, etc. Deuxièmement, le confinement de la ville d'Abidjan et des villes de l'intérieur, troisièmement enfin la vaccination gratuite pour la population cependant toutes ces mesures n'ont malheureusement pas pu bloquer la propagation du virus hélas en constante progression face à cette situation le jeudi 9 septembre 2021 le gouvernement ivoirien par le biais du communiqué du conseil de sécurité conseil national de sécurité a rappelé une série de mesures relatives à la gestion de la pandémie de la Covid-19 en Côte d'Ivoire. De ce communiqué il ressort que l'état des Côte d'Ivoire envisage en fonction de l'évolution future de la situation de prendre des mesures de vaccination plus contraignantes assorties de sanctions sur l'ensemble du territoire national. Il s'agit pour le gouvernement le moment venu d'interdire, par exemple, et nous citons, l'accès aux restaurants, aux maquis, aux bars, au cinéma, aux stades, aux établissements hôteliers, bâtiments administratifs, publics et privés, universités et grandes écoles aux personnes non vaccinées ou aux personnes ne disposant pas d'attestation de test antigénique ou... PCR négatif datant de moins de 72 heures. Fin de citation. La FIDOP salue les efforts du gouvernement ivoirien visant à contenir la progression de la pandémie de la COVID-19 en Côte d'Ivoire. Toutefois, la FIDOP prie le gouvernement de ne pas enfreindre les lois qui garantissent la protection des droits fondamentaux des citoyens ivoiriens. Par des mesures exceptionnelles énoncées dans le communiqué du Conseil national de sécurité du jeudi 9 septembre 2021. En effet, l'interdiction d'accès à des bâtiments, lieux publics et privés, ci-dessus mentionnés, constitue sans aucun doute une grave violation des libertés publiques, notamment le droit fondamental d'aller et venir consacré par les traités internationaux ratifiés par l'État des Côtes d'Ivoire et notamment prescrit par la Constitution ivoirienne. Au terme notamment de l'article 21 de notre loi fondamentale, il est écrit et nous citons, tout citoyen ivoirien a le droit de se déplacer et de, fixer librement sur toute, et de se fixer librement sur toute partie du territoire national. Et je vais reprendre, tout ivoirien national a le droit de se déplacer et de se fixer librement sur toute partie du territoire national. C'est l'article 21 de la Constitution ivoirienne. Ce droit ne peut être limité que par la loi est strictement proportionnée au risque sanitaire encouru et appropriée aux circonstances de temps et des lieux. Par ce communiqué du 9 septembre, le gouvernement ivoirien vient de rendre officielle son intention, jusque-là cachée, de contraindre la population ivoirienne, et notamment le personnel de la fonction publique, à se faire vacciner. Ce qui est une violation grave des droits de l'homme, en témoignent les différentes notes de service émises par certaines administrations publiques à l'endroit de leur personnel, à savoir la note d'information du ministère de l'Environnement et du Développement Rural. Du lundi 30 août 2021. La note de service de l'ANAGEB du mardi 31 août 2021. La note de service du cabinet du ministère d'État, ministère de l'Économie et des Finances du jeudi 2 septembre 2021. La note de service du ministère d'État, ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle du vendredi 3 septembre 2021 la note de service de la direction du Conseil du café-cacao du jeudi 9 septembre 2021, et enfin une autre note, la note d'information du ministère d'État, ministère de l'Agriculture et du Développement Rural du vendredi 10 septembre 2021. La Fondation ivoirienne pour l'observation et la surveillance des droits de l'homme et de la vie politique, la FIDOP, affirme que le gouvernement ivoirien n'a aucun pouvoir légal. De restreindre des libertés publiques en Côte d'Ivoire, car, au terme de l'article 101-103 de la Constitution ivoirienne, cet exercice relève purement et simplement de la loi. Par ailleurs, l'adoption d'une loi par l'Assemblée nationale visant à restreindre les libertés publiques des citoyens ivoiriens dans les circonstances sanitaires actuelles n'est pas nécessaire. En effet, la Côte d'Ivoire ne fait face à aucun péril sanitaire qui commanderait des mesures exceptionnelles contre les libertés publiques. La FIDOP demande à l'État de Côte d'Ivoire de se conformer à son devoir régalien de protéger les libertés publiques dont il est le garant en vertu de la Constitution ivoirienne et de ses engagements internationaux. Aussi, la FIDOP se réserve-t-elle le droit d'user de tous les moyens légaux à elle offerts par les lois ivoiriennes et les traités internationaux pour faire respecter les libertés publiques des citoyens ivoiriens en Côte d'Ivoire et à l'étranger. A cet effet, la FIDOP demande aux populations ivoiriennes et notamment au personnel des administrations publiques qui seraient victimes de mesures contraignantes liées à la vaccination de bien vouloir prendre contact avec la cellule d'assistance de la Fidop via les numéros qu'elle met à leur disposition et les numéros sont les suivants 07 08 06 79 90 ou alors le 05 44 54 69 00, fait à Abidjan le vendredi 24 septembre 2021 pour la FIDOP, le président fondateur, Dr Boga Sako Gervais.